Salut, c'est Clegane, bienvenue dans ce nouvel épisode où on sort à peine de l'arène de type fée. Voilà, où on est sorti vainqueur, bien évidemment, on a gagné le badge. Mais à quel prix? À quel prix? Eh oui, Dratak, au prix de Dratak, il ne fait plus partie de l'équipe, il est décédé. Ah, il est stocké dans sa boîte de décédés. Et je suis dégoûté. On était à un niveau, il était 49. 49, il aurait pu évoluer en Dratak. Voilà, je l'ai joué en mode facile. Et Monsieur Mime, cette saloperie de... Franchement, Monsieur Mime, c'est un peu le Pokémon qui sert à rien. Mais voilà, il me l'a one-shoté. Ça c'est fait. C'est Monsieur Mime ou c'est... Eh oui, c'est Monsieur Mime. Je sais plus. Bon, je suis tellement dégoûté. C'était hier, j'ai déjà oublié. Quand on dit que les événements traumatisants, soit on s'en rappelle toute sa vie, soit on les oublie, on les enfouit au fond de soi pour pas que ça nous rende triste. Bah, je crois que c'est ça. Du coup, il y aurait un problème. Dans le vin Pokémon, on a vu la team Flare sortir. Mais qu'est-ce qu'ils foutent là encore? Il me saoule. Gna. Et toi, t'es même pas foutu de te coiffer, je veux pas dire, mais. C'est un peu abusé cette coupe de cheveux là. Yes! Alors, on peut pas aller là. Oh, attends, y'a un monsieur là. Coucou! Il m'a empêché de passer. Alors par contre j'ai pas forcément changé de Pokémon, ce qui est pas très malin. Ouais voilà. Alors on est poison poison. Parce que lui est combat. Mais j'ai pas soigné. Ah putain, je suis allé au centre. Je pensais qu'elle m'avait soigné. Oh, chier. C'est pas grave, de toute façon les autres n'ont rien. Bah il est comme moi. Je peux le toxiquer ou pas? Tiens! Et voilà. Bon, c'est un peu con. Ça va prendre 3 plombes. Alors, on va envoyer Bamut. Du coup, mon prochain Pokémon à évoluer, c'est lui. Andracolos, au niveau 55. J'étais tellement heureux. Je me faisais tellement une joie. Enfin, j'avais réorganisé le display pour qu'il soit là en gros et tout bien. Voilà, ça m'apprendra. Arcage éclair. Évite l'attaque. Tu te fous de moi, quoi. Moi aussi, j'évite. Le combat de merde. On n'arrive pas à se tuer. Mais c'est bon, là! Choc venin, je vais être empoisonné. Eh ben. Eh, Draco cœur, sa gueule! Mais c'est bon! Putain. Tiens! J'aurais dû faire surf. Je pense que ça aurait suffi. Allez, tu peux le faire, tu peux le faire, tu peux le faire. Tiens! En plus avec la grosse attaque, ça fait plaisir. Bon. Ah, du coup, par superstition, je ne parlerai pas des Pokémon que je pourrais avoir. Je suis dégoûté. En plus, Rattak, il apprend tellement de choses et tout. Il y a tellement de possibilités. C'est terminé. C'est terminé, faut faire 100. Alors on va mettre le champion. L'idée c'est de tracer. Il devrait pas être très 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 embêtant. Petit tapis roulant. On retrouve beaucoup de cet esprit-là de labyrinthe sur tapis roulant dans les jeux Pokémon. Allez, membre de la K-pop numéro 272. Je sais pas combien j'en ai affronté, mais sans déconner. Ouais, ça se tente. Voilà. Merci d'être venu, toi aussi. Je vais mettre mon portable en vibreur, voilà. Ouais. Poison.
Oh non! Oh non! Allez, montre-lui. Montre-lui qu'on s'embalèque. Allez, ça passe! Ça passe! Ça va. Magnifique. Allez, va le bouffer, voilà. Bon, bah merci. Ça fait toujours un peu d'XP. Oui, pardon, apprendre Danzraco, ça augmente quoi, Danzraco, si c'est là. Rythme freiné, attaque et la vitesse. Alors non, j'ai pas besoin d'attaque. C'est de l'attaque spé et la vitesse, il est déjà assez rapide. Non, je suis un boulet. Gardez. Oui, je refuse. Merci. Oh, je me gèle. Allez. Super. Bon bah on continue. Ok, ça sert à rien. Voit rien, il y avait un moyen d'aller derrière? Non, ok. La prochaine c'est toi? Oh, coucou. Une guerrière sans peur. Ah, je suis désolé de me répéter, mais t'as surtout une sale gueule, quoi. Enfin c'est. Voilà, après, guerrière si tu veux, mais. Allez. Racochoc. Ça va, c'est un baguiguan, c'est tout petit ça. Voilà. Ah, le jeu est quand même pensé pour qu'on change régulièrement de Pokémon au cours de l'aventure. Non, non, on reste. Et nous, c'est vrai que bah, de par notre manque de choix, on conserve. Et puis par notre chance aussi, parce que bon, à mon avis, j'en ai perdu qu'un, mais. Enfin, contre Lucario, ça aurait pu s'arrêter là. Si Bahamut est au niveau 50, ça veut dire que j'aurai déjà mon Drattak. Ah putain! Ah j'ai vraiment le seum. Ah cool. Bah voilà. Merci. Il essaye de me remonter le moral, c'est sympa. C'est de plus en plus long les animations, c'est moi. Hey! Un petit Carmash, tout à fait, j'allais le dire. C'est très bizarre quand même. Apprendre tranche, oui, on peut faire ça, parce qu'il me semble que t'as que des attaques pourries. Oui, j'avais pris Griffombre. Non, bon, on va garder Griffombre. Ah, mais non, mais Griffombre c'est spé, et lui c'est physique qu'il est fort. Bon, ouais, et de toute façon Griffombre pourra la rapprendre. Ok. Bon, ben, merci. Ah. Ah, bah voilà. C'est exactement ce que je voulais faire. Peau métal. À mon avis, ça me servira à rien. Bah il faut prendre le tapis. Et revenir. C'est ça. Mais qu'est-ce que c'est? Une chronoball. Ok, donc là on monte. On a vu qu'il y avait quelqu'un qui nous attendait. Ici. Voilà. Pourquoi est-ce que tous les gens pensent que je m'intéresse à leur vie dans ce jeu? Entre mes amis, et là je mets des guillemets, vous pouvez pas le voir, mais je mets de gros guillemets, et ces gens-là. C'est poison ça. Non!
C'est pas grave, j'ai ce qu'il faut. On lui remet la même. Bon, après, je peux être positif aussi et me dire que ça aurait pu être pire. Je suis encore sur l'arène, je suis désolé. Je pense je vais vous en parler sur 10 épisodes. Mais ça aurait pu, voilà, ça aurait pu être franchement pire. J'aurais pu en prendre plusieurs. J'aurais peut-être dû garder Cravarèche, mais il reste quand même poison. Donc je sais pas. Mais bon. Ah, merci. Bah voilà. Pas besoin d'utiliser un antidote. D'accord. D'accord. Il y a des passes rouges de partout. Il est fou celui-là. Ok, on continue notre petite aventure. Notre petite balade. Est-ce que je suis pas en train de revenir au point de départ? Ouh, doudoudion, j'en ai marre. Purée, fais chier. Allez. Ah oui, voilà, on change de sens. C'est cela, oui. Et maintenant? Et bien maintenant, on prend. On revient au début. Elle, je l'ai déjà laté, là, la guerrière. C'est ça? Lui a avancé, voilà, on passe derrière, impec. Oh mon Dieu! Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres entreprises qui fabriquent des Pokéballs, mais il y a un vrai business, hein. Laquelle des deux je me fais? Je t'avais même pas vu, tellement t'es transparente et insipide, pauvre meuf. Allez, Bagiguan. Sinon, il a une évolution, vous savez. Dracochoc, one shot, j'annonce. Voilà, merci. Des molosses. Ouais, tiens, on va changer. Ça fera un peu d'XP. Ah, j'aurais même peut-être dû mettre. J'aurais dû mettre Draco. Je suis tellement bête et méchant dans ma réflexion. Il est feu, il me faut de l'eau. Voilà. Mais Draco a des attaques d'eau aussi. Qui feront certes moins mal, mais. Voilà. Comment dire, c'était rapide. Et c'est fou quand même que les boss comme ça, on ne les craigne absolument pas. On les craint absolument pas. Contrairement à un dresseur d'arène, tu vois. Oui, à 2 contre 1, vas-y, viens, 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 allez, viens. Je vous prends toutes les deux. Non, mais j'ai même pas besoin de toi, c'est bon, je m'en occupe. Si je dis non, je me les prends solo. Non. Ah, du coup, je peux pas. Je suis obligé. Ou c'est un par un? Ah, il faut faire un combat duo. Allez. J'ai pas besoin de toi. Je suis tellement vénère là, putain. Qu'est-ce qu'elles vont m'envoyer, ces mauvaises là. Sans déconner. Alors, Léopard du ciel ténèbres, donc Psy Tigris, tu vas pas pouvoir t'en occuper. Donc je m'en occupe moi. Et l'exprint après, on fera les mêmes dégâts tous les deux. Voilà, le sens des priorités. Ah oui, ça va, il aurait attaqué avant moi. Ouais, en même temps, je suis tellement lent. Ça nous a fait esquiver une attaque. Non, c'est pas cool ça. Mais j'arrive, t'inquiète pas. Pas de problème. Ah non! Bien joué ça.
Ok. Allez! Plus que 9 niveaux. Ça va. Pouf! C'est bientôt. Bon, bah, Bracochoc, seul contre un, mec. T'es sympa, mais oui, ça marche bien, mais elle va m'en envoyer un autre. Enfin, je crois. Cool. Qu'est-ce que c'était? Ok. Et ça, tu l'as identifié? Oh, tac! Voilà, allez, un de moins. Bon, ben les poufs. Et quand je dis pouf, c'est pas une insulte. Je vous traite vraiment de coussin gonflé avec des petites bulles dedans, des petites billes, parce que vous êtes aussi pourri qu'un pouf, ouais. Inutile comme un pouf. Allez, vous faites. Voilà, c'est fait. Merci. Je suis dégoûté. Je dis n'importe quoi. Tellement je suis dégoûté. Allez, cassez-vous. Vous m'avez saoulé. Dégagez. Qui me donne ma Master Ball et on n'en parle plus. Mais t'inquiète pas. Ça, je m'en rappelle. Tu veux un Master Ball ou une pépite? Bon, t'es gentil, mais. Et après. L'effet qui se coule. Allez, tiens, maxi pépite. Ça, par contre, c'est. Enfin, si ça existe, les Master Ball, pourquoi, tu vois, c'est pas commercialisé? Pourquoi c'est pas. Genre. Bon, eh ben voilà, c'était rapide. Un quart d'heure. Un petit quart d'heure. On a nettoyé l'usine de tous ces débiles. Et on peut rentrer à la maison ou comment ça se passe? Peut-être qu'ils vont vouloir rentrer chez eux, les gens. Eh, sans blague. La carte. On devrait aller à Frescal. Ouais, il faut passer par la route 15 que j'avais vue, je crois, sur la droite. Du village, mais je suis pas sûr, enfin du village de la ville. Et techniquement, on devrait rencontrer nos prochaines possibilités de capture. Pas sûr, faut que je vérifie. Romain sous bois, c'est mignon, Romain sous bois. Bah, ils en auront un petit peu moins, quoi. Mais t'imagines le business en vrai, si tout le monde a un Pokémon, ne serait-ce qu'un, ça veut dire qu'une personne a minimum une Pokéball. Bonjour. Ok. Je crois que c'était là. Oui, je crois pas bien. Non, c'était là. Voilà, c'est ça. Bon, on va se soigner. Pépouze. Je sais pas quel niveau Karma je deviens Crash Arc-Rock. Eh ben j'ai encore oublié. Mais du coup est-ce que je l'ai prévu? Je ne crois pas. Je n'ai pas de Karmash. Donc je vais le faire tout de suite. Ok, ça c'est fait. Allez, direction la route 15. On continue. Un bel être s'est installé à côté de moi. Je voulais m'asseoir moi aussi, mais. Oui, je te le fais pas dire. Je te le fais pas dire, je me ferais beaucoup moins chier si je jouais Monotype Dragon sur n'importe quelle autre génération précédente, mais bon, tant pis! Ah, j'aurais certainement eu mon Drattak, mais c'est pas grave. Oh, sors d'où lui? Non, oui, j'ai eu peur. Tu m'as fait un tout petit peu peur. Bernard, tu te calmes. Ah, reste. J'ai rien qui fera l'affaire, donc.
ça xp. Ok, t'es le seul ou pas? Non, de toute façon, je changerai. Bien sûr. Il est combat, je crois. Enfin, où il aura des attaques combat. C'est pas une bonne idée. Bah, tu sais quoi, on va tenter un peu là. Et là, il est beau. Ah non, mais il est glace surtout. C'est pas grave, ça n'empêche pas. Ça marche jamais avec moi en fait. Ah, mais non, glace! Mais je suis fou! Mais je suis fou, mais il est fou! Je suis complètement con. Je suis complètement con. Mais oui, mais n'importe lequel en fait. Oui, n'importe lequel. Mais lui, il est haut. Donc ça devrait aller. Dracolos, ce sera pire, parce que le vol. Oui, donc sinon il est paralysé. Oui, voilà, c'est bien ça. Heureusement que je l'ai paralysé, en fait. Le pire, c'est qu'il m'a rendu fou. Depuis tout à l'heure, il est paralysé, il attaque. Et moi, voilà, je suis confus une fois. Boum. Oh, tout ça! Oh, ben, une quatrième attaque d'affilée! Attention. Oh, allez! Et ben voilà, je suis mort. Et ben, heureusement. Putain. C'est pas possible. Mais sinon, ça va la paralysie, en fait? À partir de quand ça n'aura servi strictement à rien à part me mettre dans la merde. Incroyable. Merci Bernard. Je suis bon pour retourner me soigner avec tout ce qu'il m'a mis. Et l'air de rien, faut que je me reconcentre un peu parce que une erreur comme ça, elle aurait pu être fatale encore. Il me restait 18 points de vie, je peux pas passer loin quoi. J'envoie un Pokémon Dragon face à un Pokémon Glace. J'ai envie de dire bon, voilà. Alors. Oui, on laisse le champion. On laisse le champ. Ben non, bref. Je sais pas. Faudrait que les autres XP un peu. Mais bon. Du coup. Non, mais! Rapion. C'est poison. Je suis plus rapide quand même, j'ai 20 niveaux. Oui, ça va. Alors, j'étais venu là. Il n'y en a pas un autre qui veut sauter. Oh là, ça sent l'objet. Eh ben non. Ou alors faut venir peut-être à 21h ou un truc comme ça et il y a un truc. Ouais. Ben voilà. Il y a plein de choses qui sont rondes, tu sais. Alors ça, c'est cool. C'est un psy. Ou c'est un fée. Je sais pas. Je crois que c'est un psy. De toute façon, je peux pas faire d'attaque dragon dans tous les cas, dans les deux cas. C'était bien, psy.
J'espère que Dracos y restera bien tout seul quand même, dans cette boîte de décédés. D'accord. Ils sont agressifs. Il va être plus rapide que moi avec 20 niveaux de moins ou. Ah. C'était risqué. Ben oui, il fallait bien. Ah, et encore toi! Ouais, c'est pour avoir juste une baie. J'ai envie de dire un peu balèque. Albin. Miradar, Miradar, c'est normal. Ouais, et puis ici, il faut qu'il évolue, donc c'est bien de le faire combattre aussi. Voilà. C'était tout. Allez! Ah, hypocéan. Changer. Ben, j'ai rien d'électrique. Non, je lui ai pas appris tonnerre. C'est bon. Bonhomme. Mais dragon en plus. C'est parfait. Voilà. Super, je passe devant. Je m'y attendais pas. Voilà. Non, il n'y a pas de dragon encore. C'est quand en devenant hyper-roi? Que niveau 30, mon dieu, mais j'en ai pour 10 ans. Niveau 30. J'en ai vraiment pour 150 ans. C'est abusé. Avec le multi-ex, peut-être pas, mais. Oui, je veux utiliser Surf. Avec mon Draco. Ouh! Il y a un monsieur caché. Mais je sais. Ah ben il était là. On s'est pas vu tout à l'heure, je suis passé par là. Peut-être passé dessus. En plus là on a que des rangers. Ah, Carmash. Ah là j'ai envie de dire dommage pour toi. Depuis la mort de Dratak, qui n'était pas encore un Dratak, je erre avec le seul but de défoncer tout ce que je croise. Eh ben voilà. Bon, du coup, je sais pas trop où je vais sur cette route 15. Mais je crois. Ouais, il me semble hein, qu'on va en direction de l'hôtel Désolation. D'accord. Et ouais, c'est ça. Et donc là, on a nos prochains Pokémon Dragon. Te voilà, toi. Le coquin, il s'était caché. Jibril. Ah, je l'avais jamais vu écrit comme ça. Ça me peut, c'est pas Jibril, c'est Jibril, juste Jibril. Mais non! Et moi, pendant 4 attaques, je ne vais pas attaquer. Voilà. Bon, clairement, je pense que le jeu me déteste. Il faut que je restarte pour, je pense, que la RNG se recalcule ou un truc comme ça. Oh, ça va, j'ai attaqué. Mais je sais pas, je le sens pas. T'es sûr de toi? C'est dommage. Tu vas prendre une bonne mâchouille. Voilà. C'est bien. I am content. Ouais, grimace, ok. Non, merci. Oui, je crois. Lagoon. Oui, mais il est dragon, donc très bien. C'est bien celle-là. Oui, mais c'est de l'attaque spéciale. Et je sais plus. Bon, Burk, c'est quoi? Spécial. Hydro-queue, c'est physique. Mais en même temps, il est plus haut, donc on s'en fout.
Et c'est vu à quoi spécial? Il était en... Il est fort en spécial? Je sais plus. Bon, de toute façon, Hydro-Queue. C'est pas foufou. Puis il est temps que je rencontre le mec là qui me permet de d'effacer, de reprendre des capacités et tout. J'aimerais bien refaire un point sur tout ça là. Ah. Ok. Muscle plus 4000. Si t'as la référence, t'es un ancien. Bon, on va s'arrêter là. On se garde les deux demoiselles. En plus, il y en a une, certainement une au type fée pour la prochaine. Donc moi, je vais me soigner. Je vais m'enlever ma paralysie tout de suite. Voilà, oui, c'est bon. Et je vous dis merci d'avoir regardé cet épisode et à bientôt pour l'Hôtel Désolation.